I don't know about my dreams. I don't know about my dreaming anymore. All I know is that I'm falling, falling, falling. Might as well fall in. I don't know about my love. I don't know about my loving anymore. All I know is that I'm loving, loving, loving. Might as well love it. I don't know about my dreams. I don't know about my dreaming anymore. All I know is that I'm turning, 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 turning. Might as well turn in. I don't know about my love. I don't know about my loving anymore. All I know is that I'm falling, I'm loving, falling, loving. Might as well fall in. I don't know about my dreams. I don't know about my dreaming anymore. All I know is that I'm falling, 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 falling. J'ai besoin de ce micro, je pense. Merci. Merci encore d'être ici. Ce sera pas bien long. Donc, c'est une chanson de James Blake qui est parue sur son premier album, premier ou deuxième. Je vais le savoir quand je vais avoir mes notes dans 3 secondes. J'ai juste, mon Internet a juste droppé, c'est pas long. Puis, c'est vraiment une chanson de circonstance pour moi. Je suis pas capable de faire 2 choses en même temps, puis ça paraît. Ah non, ça veut vraiment pas. Ouais, pour moi, ça marche pas, mais ça marchait tantôt, donc ça devrait revenir. Bon,
On y arrive, on y arrive. OK, donc, que la chanson, c'était « The William Scream » par James Blake. C'est paru en 2011 sur son album. Donc, les paroles, ça va comme si « I don't know about my dreams, I don't know about my dreaming anymore. All I know is that I'm falling, might as well fall in. » Pour la traduction, « Je ne sais plus de quoi je rêve, tout ce que je connais, c'est la chute. Il ne reste qu'à tomber. » C'est assez dramatique comme image. Mais c'est là la beauté de la musique, en fait. On arrive à mieux exprimer des choses ou à les recevoir aussi, que ce soit des émotions qui sont plus intenses, plus difficiles. Donc, quand on met de la musique, ça rend les choses plus acceptables, mais aussi plus vivides. Puis, comme je disais, c'est vraiment une chanson de circonstance pour moi, donc c'est pour ça que je l'ai choisie. Les mots, en fait, c'est mon métier. Je suis journaliste, rédactrice, traductrice, des fois musicienne. Donc, la vérité. En traduction, on vise à rendre le sens le plus fidèlement possible. Donc, quand j'étais à l'université, on m'a fait remarquer que j'avais tendance à embellir le texte quand je traduisais, même si on m'en avait des points. Parce que c'est ça la règle, on m'a fait aussi comprendre que ce n'était pas nécessairement une mauvaise chose selon le contexte. En rédaction publicitaire, les mots, ça sert à promouvoir, que ce soit de façon manifeste ou pas. On cherche vraiment à convaincre, puis aussi à éviter naturellement les problèmes légaux. En fiction, la réalité, ça importe peu, pourvu qu'on puisse s'y reconnaître. En journalisme, la responsabilité première, c'est de dire la vérité. Mais la vérité, c'est quoi? Pour qui? Est-ce que c'est celle de qui on donne la parole ou de celle de qui, à qui? Celle qui, la vérité de ceux qui dirigent les institutions? Et qu'est-ce qu'on fait des vérités de ceux qu'on invisibilise, qu'on marginalise, qu'on minorise? Ces vérités ne sont-elles pas seulement valides, mais elles méritent tout autant d'être racontées, d'être entendues? La vérité, en fait, c'est subjectif. On oublie souvent qu'il n'y a pas une seule vérité. On a chacun les nôtres, on en a plusieurs. Il y a les histoires qu'on raconte à propos de nous-mêmes. On les répète à nous-mêmes, aux autres, on s'en convainc, on se présente ainsi. On en fait notre identité, on s'accroche à leur véracité. On s'y remet pour dicter notre chemin, pour guider nos décisions, pour appuyer notre intuition. On finit bien par croire ce qu'on veut croire. Les biais de confirmation, ça s'applique aussi dans nos discours intérieurs. Dans notre monde d'aujourd'hui, on prône l'authenticité, on se doit d'être vrai, mais en fait, pouvoir être authentique, c'est un privilège. C'est le privilège de ne pas casser le moule, de ne pas dépasser les lignes établies, les normes entre guillemets, les standards dominants, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est vrai. C'est une phrase que je répète souvent, très souvent. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai l'impression qu'on ne me croit pas. Quand je dis c'est vrai, ce que je veux vraiment dire, c'est je le pense vraiment. Je le pense au moment où je le dis. Si à un autre moment, je pense le contraire, je le crois aussi. C'est vrai. S'il y a une chose que j'ai apprise en écrivant des histoires, celles des autres ou les miennes, c'est que deux choses peuvent être vraies. Tout peut coexister. La vérité n'est pas binaire. Par exemple, j'occupe une position privilégiée, mais je suis également une personne marginalisée. C'est vrai. J'ai toujours pensé que j'avais rien à dire. Je préfère raconter l'histoire des autres, que ce soit de vraies personnes ou des personnages. Par contre, quand on me pose une question, j'ai souvent la conclusion de répondre ce que je pense vraiment. C'est pas toujours apprécié, c'est pas toujours approprié. Mais quand j'ai pas de réponse ou quand j'ai pas d'opinion,
Je le dis aussi. La question que je redoute le plus ces jours-ci, c'est « comment ça va? » La raison, c'est parce que je risque de dire quelque chose de faux si je réponds que ça va bien. Ça va pas bien du tout. Il y a quelques mois, j'ai reçu un diagnostic. Ça n'a pas exactement bouleversé ma vie parce que les symptômes étaient là depuis vraiment longtemps. Ça a pris des années avant de trouver le problème, mais ça a expliqué beaucoup de choses. Ma santé était sur une pente descendante depuis quelques temps, puis le hasard a voulu que ça commence à aller particulièrement mal et que ça s'empire dans les semaines qui ont précédé et suivi le diagnostic. Je pourrais vous expliquer c'est quoi. C'est une maladie chronique, mais honnêtement, je ne trouve pas que c'est particulièrement intéressant. Vous pouvez poser des questions là-dessus, ça me fera plaisir de répondre, mais ça va juste détourner la conversation. Puis, l'un des problèmes, en fait, avec ma condition, c'est que je ne m'y retrouve pas beaucoup dans la description qu'on en fait. C'est quand même une description qui est formulée par des professionnels de la santé, qui est basée sur des connaissances scientifiques. Donc, dans mon cas, je vois peu de choses qui parlent, par exemple, du niveau de douleur que je ressens, des effets sur la qualité de vie ou d'autres symptômes. Quand on en fait la description, on a aussi dit que c'était une maladie qui était rare, puis que ça touchait beaucoup les hommes blancs. Donc, selon ce qu'ils disent, puis qui ont les données pour soutenir leur discours, c'est vrai. Selon moi, selon d'autres milliers de gens qui s'entraident dans des groupes de soutien, on est nombreuses et nombreux. Donc, à mon avis, c'est pas vrai. Selon moi, ça illustre surtout que c'est une maladie comme plusieurs qui est sous-diagnostiquée, puis que ça indique aussi que qui on croit, en fait, lorsqu'on parle de santé, qui on prend au sérieux. Donc, c'est vrai, je suis vraiment malade. Je n'ai pas tout inventé comme on a déjà réussi à me le faire croire. Mon diagnostic a aussi expliqué beaucoup de choses, des problèmes de santé, des limitations physiques, psychologiques, sociales, des névroses, pas toutes. Mais aussi des choses que je croyais être des traits de personnalité, donc des façons d'être que je croyais qui étaient juste particuliers. Donc, ça fait en sorte que dans les dernières semaines, les derniers mois, mon identité a été profondément bouleversée. L'avenir, qui a, oui, toujours été incertain, est maintenant figé pour une durée indéterminée, au niveau personnel comme professionnel. Ma trajectoire n'a pas été particulièrement facile dans un monde qui peut être hostile pour des gens qui me ressemblent, avec des circonstances, des systèmes avec lesquels il faut se battre. Maintenant, j'ai un nouvel obstacle que je ne peux pas conquérir ou contourner. Donc, pour le moment, je n'ai pas beaucoup de moyens d'agir, je n'ai pas beaucoup de solutions, je suis un peu stoppée dans mon élan. Mais la maladie, ça ne me définit pas comme personne. Mais ça fait de moi qui je suis maintenant. Donc, la personne que j'étais avant n'est plus. Elle ne reviendra pas. Je ne peux plus écrire comme avant, que par l'effort physique ou intellectuel que ça demande. Aussi parce que quand on est malade, notre monde rapetisse. C'est difficile d'aller voir en dehors de soi. Ça siphonne nos capacités, notre énergie, notre capacité à être ouvert, à recevoir. Même si la vie n'a pas toujours été facile, j'ai toujours trouvé que j'avais beaucoup de chance de pouvoir gagner ma vie en écrivant. C'est un rêve, c'est là encore. C'est mon métier, c'est ma vérité. J'ai toujours cru que c'était la seule chose que je savais faire, que je pouvais faire. Écrire, c'est le chemin que j'ai toujours suivi malgré les nombreuses fois où on m'a dit que je n'y arriverais pas. Pour moi, il n'y avait aucune autre option. C'est toujours le cas. Je crois que si j'aime autant écrire en partie, c'est pour trouver le sens.
J'ai toujours été quelqu'un qui pose énormément de questions. Désolée, tout le monde. Qui cherche à comprendre, qui réfléchit beaucoup, qui est assailli par les pensées, les émotions, les idées. Mettre des mots me permet de donner du sens aux choses ou d'accepter les choses qui n'en ont pas. Du sens, cette fois-ci, il n'y en a pas. J'en trouve pas. Il n'y a pas vraiment de leçons à tirer, d'apprentissage, de bons côtés à découvrir. Donc, je ne sais plus ce qui est vrai de moi. Je dois trouver un nouveau sens de ma personne, une nouvelle façon d'exister, puis de nouvelles façons d'écrire et de vivre. Une autre chose qui est vraie, qu'on m'a dit récemment, c'est qu'on n'est pas toujours, on n'est pas obligé d'être toujours en train d'accomplir quelque chose. Donc, si je n'écris pas à chaque jour, si je prends une pause, si j'arrête d'écrire temporairement, si je ne publie plus jamais rien dans le reste de ma vie, ça ne fait pas moins de moi une personne qui écrit, une autrice. Tout comme je ne suis pas que ça. Mais quand notre art et aussi notre travail, notre gagne-pain, et dans notre société capitaliste, on se définit par notre métier, on oublie souvent tout ce qu'on est d'autre. La dernière chose que je voudrais ajouter, c'est que être malade, c'est pas spécial. Il y a toutes sortes de gens qui sont malades, vous en connaissez, peut-être que vous l'êtes aussi. Par contre, on ne vit pas dans un monde, dans une société qui en prend nécessairement compte dans le quotidien. Donc, je ne suis pas une exception. Tout comme quand je suis la seule personne qui me ressemble dans un endroit, c'est que ce que je voudrais dire au monde, en fait, c'est que je ne suis pas une exception. Des gens comme moi, il y en a partout. Il faut juste les voir. C'est tout.